Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier déballage du mois de septembre où vous découvrirez notre sélection hebdomadaire de jeux vidéo. Voici les titres attendus pour cette semaine. Mark of the Ninja, Les Sims 3 Super Pouvoir, Rims of Ancient War, et enfin la sortie de Battlefield 3 Armored Kill pour les membres premium de PS3. Bon visionnage! C'est unanime, les ninjas ont une sacrée cote auprès des amateurs de jeux d'infiltration. Si la série Tenchu se fait discrète depuis un moment, les agents de l'ombre ne chôment pas pour autant. Développé par Clay Entertainment et développé par Microsoft Game Studio, Mark of the Ninja nous met aux commandes de l'un d'entre eux dans un jeu exclusif au Xbox Live Arcade prévu pour le 7 septembre 2012. Déconseillé aux moins de 12 ans, le jeu se déroule en 2D et privilégie l'infiltration et la tactique, non pas sans quelques effusions de sang rendues possibles par votre attirail ninja. Descendez le long d'une corde pour arriver au niveau de la tête d'un de vos ennemis et le décapiter. Fontaine sanguinolente et animation sympathique garantie à 1200 points Microsoft. Vous les avez connus à leur début, vous les avez connus dans des aventures dignes de Harrison Ford, vous les avez même vus au temps des rois et des châteaux. Les Sims 3 reviennent cette fois dotés de pouvoirs magiques issus de la lignée des fées ou des sorcières. Développé et édité par Electronic Arts, les Sims 3 Super Pouvoir vous propose en effet de retrouver le 6 septembre 2012 vos Sims qui pourront jouer avec des malédictions, la magie et autres joyeusetés. Imaginez un manoir prévu pour abriter un vampire, une meute de loups-garous rôdant dans votre jardin. Oui, celui-là même où vous cultivez quelques zombies judicieusement décomposés pour inviter vos voisins à dîner ou à être dégustés. A noter que le jeu est toujours déconseillé au moins de 12 ans, ce qui peut enfin être compréhensible avec ce nouveau contenu aux airs horrifiques. In realms of ancient war, you take control of a warrior. Prévu sur PC pour le 6 septembre 2012 et attendu dans le mois sur Xbox Live Arcade et PlayStation Store, le jeu d'action hack and slash de Wizardbox, édité par Focus Home Interactive, vous place au choix dans la peau d'un paladin, d'un mage ou d'une voleuse pour évoluer, une fois n'est pas coutume, dans un monde déchiré par la guerre et les monstres. Le jeu propose des arbres de talent uniques pour chaque classe avec des compétences destructrices comme une pluie d'éclairs ou la capacité de prendre le contrôle d'un monstre affaibli. Il propose également des combats contre des marées d'ennemis de toute taille allant des araignées aux trolls en passant par les démons. Jouable en coopération, le soft recèle de nombreuses quêtes secondaires qui permettront de développer votre personnage. Du hack and slash classique en vue, mais les amateurs du genre y trouveront certainement leur compte. In realms of ancient war, a special ability allows you to take control of your most powerful opponents. After weakening tough enemies, you can project your mind to temporarily control them and use their devastating powers. The game features a thrilling local co-op mode. At any time, a friend may join you to face the hordes of monsters together. Make good use of your team's strength. Battlefield 3, reconnu comme étant l'un des meilleurs FPS multijoueurs, n'a pas fini de faire parler de lui. En effet, son extension Armored Kill, développée par DICE et éditée par Electronic Arts, sera disponible le 4 septembre sur le PlayStation Store pour les joueurs premium uniquement. Les autres joueurs premium, sur PC et Xbox 360, devront donc patienter jusqu'au 11 septembre pour profiter de ce DLC, et encore plus tard pour les joueurs n'ayant pas opté pour le premium, à savoir le 18 septembre sur PS3, et le 25 pour Xbox 360 et PC.
Ce nouveau contenu regroupera 4 nouvelles cartes étudiées pour des combats entre véhicules, de nouveaux blindés, quads et artillerie mobile, ainsi qu'une vingtaine d'améliorations pour véhicules. Il proposera également un nouveau mode de jeu, le Tank Superiority, dont le nom parle de lui-même et inclura une carte annoncée comme étant la plus grande de l'histoire de la série. Voilà, c'est la fin de ce déballage. Nous espérons que l'émission vous a plu et aidé à faire vos choix lors de l'achat de vos jeux vidéo. Merci beaucoup de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. À bientôt !